nous, alors, semaine 32 pour le fil rouge. La thématique, c'est chat. Donc, j'ai pris toujours le même format. Je vais mettre ce pochoir que je fixe. J'essaye de fixer droit, ça sera mieux. J'ai mis une lumière un petit peu moins vive, j'espère que ce sera mieux. Alors, vais-je arriver à fixer? Voilà. Donc, j'ai choisi l'image de chat, donc qui est celle-ci, que je mettrai au centre. Les chats, un animal indépendant, mais en même temps, c'est vous qui habitez chez lui. Donc, j'aime beaucoup aussi cette image. Donc, on va reprendre un petit peu les mêmes couleurs, donc avec ces crayons. Et je vais, voilà, colorier à l'intérieur. Donc là, j'étire ma couleur. Alors, ça se lave très bien à l'eau et au savon. Je vais y arriver. Vous voyez, rien de très très compliqué. Donc là, en épaisseur, pas tout à l'heure, j'avais fait en couleur, je voulais du pastel. Et donc ça a moyennement fonctionné, mais en épaisseur, c'est nickel. Alors pour le rouge, on verra. J'ai pris du gris au lieu du noir là. Après, il y a deux tonalités de bleu. Le pastel là, ça doit être plutôt un vert. Oui. Donc celui-là ne me convient pas. Je veux rester dans la même, un petit peu dans la même harmonie. Peut-être je vais mettre un peu de noir aussi. Je vais mettre du gris. Ah, ceux-là, ils sont légèrement pailletés. Après, j'aime bien la texture, j'aime bien l'utilisation. Il y a des paillettes celui-là, non. Alors là, je vais faire le grand. C'est vrai que ça va être assez simple aussi. Mais bon, toutes celles, il faut un petit peu de tout aussi pour varier
Les plaisirs, les techniques, il faut s'écouter en fonction. Ben, il y a des thèmes qui m'inspirent plus que d'autres, et puis il y a ce qu'on a aussi. Moi, j'adorerais cette image, donc ça va me permettre de la conserver. Voilà, et puis il faut faire ce qu'on a envie. Voilà, mais je les trouve très bien ces crayons comme ça. Alors, je vais quand même mettre un petit peu de noir. Si je replace ma photo, donc est-ce que je vais la placer comme ça ou comme ça? J'aime assez comme ça. Donc. Je peux mettre du noir ici, du noir ici. Je suis pas forcément obligée non plus de faire ça sert à rien hein. Toute la ah, il est un petit peu pailleté aussi celui-là. Toute la longueur puisque la petite image va cacher le pochoir. Je mets ma main devant, pas malin. Donc celui-ci, la pointe là. Je vais faire celui-là. Est-ce que ça me cache beaucoup ça? Pas grand-chose, donc je vais le faire en entier là. Des petits manques. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donnerait un peu plus contrasté là? Oui. On est Alors, j'essuie mon doigt quand même parce qu'après le noir Donc bien sûr, on peut faire la même chose avec de la peinture, avec des feutres à alcool, de l'encre, ce qu'on veut. Moi, j'avais vraiment envie d'essayer. Voilà, là, je vais faire bleu. Voilà, donc le pochoir à l'eau et au savon. Alors, je vais fixer avec du fixateur à pastel parce que mais quand vous touchez ça laisse des marques mais vous pouvez très bien faire avec de la laque. Alors c'est mieux dehors hein, toujours pareil, ça sent un petit peu fort. Donc là, on ne chauffe pas. On laisse sécher. Donc voilà ce que donne mon fond. Donc il va y avoir mon image ici. Donc chat est déjà marqué, même s'il est tout seul. C'est pas grave. Ici. Donc, avec mon feutre,
Là, ça écrit. Voilà, c'est tout simple, mais bon, je trouve que ça change un petit peu. J'aime bien. Donc j'ai dit quoi? Que j'allais le coller comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Donc ma colle. Voilà, une petite réalisation toute simple. Avec toujours pareil ce que j'ai dans mes placards. Juste que je la mette droite. Alors, est-ce que j'ai un tampon avec des pattes de chat? Je rajoute bien des pattes de chat. Alors, les animaux sont ici. Donc là, j'ai des chats en fontaine. Pas de pattes de chat. Pourtant, il me semble que j'ai des pattes de chat quelque part. Ah, mais voilà. Alors, la mémène noire. Alors par contre, je ne sais pas ce qui est écrit là. J'irais bien le couper ça. Ça ne m'intéresse pas. Je vais carrément l'enlever. Parce que de toute façon, je ne m'en servirai jamais avec un Leave Your Print. Donc ici, où est-ce que j'ai mon tapis de souris? Donc en fait, ça reprend le motif du chat, les pattes ici. Donc, je ne sais pas si on voit très bien les pattes. Attends, il y avait longtemps que mon téléphone n'avait pas fait des siennes pendant une vidéo. Voilà, une dernière. Voilà. Voilà la semaine. Donc 32 chats. Je vous fais des bisous et je vais enchaîner avec Peace and Love.